je suis Anne-Claude Rovera, directrice qualité petite enfance pour le groupe Les Petits Chaperons Rouges. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication et de confiance. Parce que la communication entre les parents et nos professionnels de crèche est bien la base de la véritable relation de confiance qui va se nouer entre eux. La qualité de la communication avec les familles est capitale au sein des Petits Chaperons Rouges. Chaque professionnel de crèche adapte ainsi son discours à la personne à laquelle il s'adresse, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes. Il veille aussi à ne pas prendre la place du parent, car si les enfants ont besoin d'une grande sécurité affective pour appréhender la séparation, ils n'ont pas besoin d'un parent de substitution. Pour faire vivre le partenariat parent-professionnel de crèche, respect et transparence sont les maîtres mots. Pour nous, la place des parents est primordiale. Ils ont un rôle central dès la période de familiarisation. Avant même que l'enfant ne soit accueilli au sein de l'établissement, les parents sont invités à rencontrer la directrice pour boucler les dernières formalités administratives, mais aussi pour visiter les locaux ou découvrir l'équipe. Ils sont également amenés à renseigner une fiche, un recueil de données, qui va permettre aux professionnels de crèche de mieux connaître leur enfant et de répondre à ses besoins de manière adaptée et personnalisée. Il s'agit de ses habitudes alimentaires, de sommeil, des allergies s'il y a lieu, mais aussi de ses jouets préférés ou encore ses centres d'intérêt. À chaque rentrée, nous organisons une réunion avec les familles dont l'objectif est de présenter à l'ensemble des parents le règlement intérieur, le fonctionnement quotidien, le projet pédagogique et le rôle de chaque membre de l'équipe. Les familles peuvent aussi poser toutes les questions qu'elles souhaitent. Ces réunions sont généralement animées par la directrice, par section ou en grand groupe, suivant la taille de la crèche. Aujourd'hui, nous préférons parler de familiarisation plutôt que d'adaptation, car il s'agit vraiment d'une période pour faire mutuellement plus ample connaissance. À la fois pour l'enfant vis-à-vis de l'espace, des nouveaux bruits, des nouvelles odeurs, des nouvelles personnes, mais aussi pour les professionnels accueillants vis-à-vis de cet enfant, cet être unique dont ils vont prendre soin. Nous croyons au principe de coéducation, afin de garantir une véritable cohérence éducative autour de l'enfant. Nous appelons transmission le moment où les parents et les professionnels de la crèche échangent sur le quotidien de l'enfant, son éveil, son développement, ses activités, ses découvertes. Chaque matin et chaque soir, ce temps est capital. Il permet véritablement l'individualisation de l'accueil. Chez les Petits Chaperons Rouges, nous anticipons toujours les changements de section. Tout d'abord, les équipes se réunissent pour échanger autour des habitudes de chaque enfant. Ces derniers sont ensuite invités à découvrir leur nouveau lieu de vie, y passer progressivement plus de temps. Les parents peuvent aussi rencontrer la nouvelle équipe. Une transition en douceur qui permet à l'enfant d'être accueilli par son nouveau référent en toute sérénité. Pour nous, une communication de qualité portée par un échange régulier, un respect des rôles de chacun et une grande confiance est bien la clé d'une bonne relation parent-professionnel de crèche. Notre préoccupation constante est donc bien de placer la famille au cœur de nos priorités. Pour symboliser cet engagement, nous avons élaboré une charte de coéducation et vous pouvez la découvrir dans l'ensemble de nos établissements.